Eh bien, salut tout le monde, c'est Pola59 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, et comme vous pouvez le voir, sur du Genshin Impact pour l'épisode boss du dragon. Donc, j'ai passé bien une heure à farmer pour tout simplement ouvrir le portail pour aller au donjon directement de dragon pour faciliter la chose, pour pas que vous ayez une vidéo trop longue. Donc je vous laisse juste avec le combat. J'étais en vocal avec plusieurs personnes, donc du coup j'étais pas très 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 concentré sur les parties, parce que voilà, ils étaient vraiment bien avancés. Ils attendaient justement que je termine le donjon pour les rejoindre en coop, pour farmer les donjons, pour améliorer les personnages et tout ça. Donc voilà. Et quand j'ai tourné cette vidéo là, et bah, il y a eu d'autres trucs en fait. Ça veut dire que là maintenant on est le 22 octobre, et il y a une maintenance sur le jeu, et j'ai des nouveaux personnages que j'ai débloqués. Voilà, je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Donc là je vous laisse avec les images du boss dragon qu'on doit sauver, et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé, et bon visionnage à tous. Juste parce que ma quête elle s'était activée, quoi. Ouais, voilà, là je dois je vois le dragon, on va aller défoncer ses dra voilà quoi. Ça va prendre 2 secondes, je pense, à le défoncer. Et niveau 26. Ah ouais, mais non, mais ça me donne le héros principal, mais j'en veux pas. Il est nul, le héros principal. Ah ouais, mais c'est pas ouf. Ah oui, non, mais pour voler et niquer le dragon, ouais. Ah, c'est le début, ouais. Okay. Ouais, dans un normal. C'est rien, ça. C'est juste ça, en fait, hein. Tu dois indiquer le cristaux derrière. Ouais, c'est ça en fait. Ensuite, après, t'esquives des trucs. Ensuite, t'auras des genres de boules lumineuses. Tu les pètes avec ouais. ton pouvoir, et ça te mettra des cercles de vitesse, tu sais, devant là. Ah ouais. Tu fonces dedans, ça te rapproche du dragon. Tu le fais 3 ou 4 fois, je crois, pour te rapprocher du dragon. Tu lui Ok. reniques encore de la vie, tu refais ça une fois, et après, c'est fini. T'as niqué le dragon, c'est fini. Voilà. Ouais, génial. Oh, Super. je pensais qu'il y aurait eu un combat intéressant. Non, 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 non. C'est. Il a demandé un combat intéressant. Il est marrant, le bonhomme. Mais en Il est fait, drôle. c'est. Ouais, il est pas ouf en fait le combat. Parce que là, en gros, je vole, j'esquive des petites bouboules. Ouais, super, Ça content. va. Bah, faut pas s'attendre à un truc de fou. Ouais. C'est pas comme Bah si ouais, qu'ils étaient après. dessus en plus, ces machins. D'ailleurs, c'est quoi quand on fait l'antre, le donjon justement? Tu bats le dragon ou ça refait encore le même truc que dans la. Non, Dans non, la c'est, rencontre? tu tapes vraiment le dragon après, hein, t'inquiète. Ah oui, okay. Là ça devrait être à plus. Bah, Il en y a solo, bien des effets, hein. Y a une mini strat. Allez, elle est mini la strat à faire, mais les bidons. Les bidons, les bidons, c'est chiant, hein, quand t'es. Je sais pas, au niveau 50 par exemple. Non, il est casse-couille, mais y a une toute mini strat à savoir, c'est tout. Hein. Une fois qu'elle a la strat, en vrai, il est pas si difficile que ça si t'es un minimum correct avec le clavier. loup, genre. Ouais, non, mais le loup, il est bidon carrément. Le loup, je sais même pas pourquoi c'est un boss. Hein. Je crois pas que je l'ai fait, le loup, en vrai. Bah non, niveau 25 minimum. Bah ouais, bah il faut Je que tu pourrais le te faire lâches après, avant. quoi. Cache, ouais, parce qu'il repop tous les lundis à 4h. C'est comme l'antre du dragon, faut la faire une fois par semaine. Ça repop tous les lundis à 4h du matin. Ok. Moi, je vais tout Bah, faire les ce donjons, c'est à soir. 4h, mais les nouveautés, c'est 19h quand ils en ont envie, quoi. Bah non, c'est bien parce que justement pour la fin du week-end, moi je trouve c'est bien parce qu'il y a Ouais. personne qui reste là lundi 4h du mat alors qu'ils vont bosser le lendemain. Ouais. Tu peux revenir au donjon, j'ai mes 20 résines. Ah ouais, j'arrive du coup. Ah là, je suis en train de retaper encore une fois le dragon de merde là. Ça sort Ouais, tous bah les tirages c'est ce pas soir. folichon du coup. Tous les jours. Voilà, Tous là je peux les déjà jours. plus le frapper. Faudra que refaire la même chose. Esquiver. Faire des petits portails à la con. Wow. Voilà. Même Bon, voler, tu vois, c'est même pas toi qui le contrôle, c'est un peu con. C'est juste tu tournes et puis voilà quoi. Et ouais. Donjon, gorge de l'oubli, téléporté. Oh, la gorge de l'oubli. Bon, c'est quand qu'il va popper le machin que je dois taper là pour avoir un portail? Ah, le voilà. Igorez, accepté. Oh, prends zingling, zingling.
Et nickel, c'est parti. Hop. Allez, encore deux. Normalement, c'est bon. Non, après, j'ai quand même abusé d'avoir deux barres d'endurance, c'est grave. Mais... T'as vu? Tu cours partout comme un chinois. C'est ça. Et là, j'imagine même pas avec les autres encore, les JO. Oh, les pauvres. Là, ils ont pas compris. Début de game, deux double ulti dans la gueule. Salut, moi je fais que brûler, je fais que passer. Hop, c'est bon, allez, je peux le refrapper. Et normalement, là, il est mort. Voilà, fini. Youpi. Ah, parce que c'est deux, j'ai pas l'habitude, et puis j'appuie sur un, et du coup, ok. Et là, il va atterrir et je vais pouvoir le frapper ou pas du tout? Ouais, je sais pas, tu regardes l'animation. Hein. Ouais, je pense que ouais. Sinon, ce serait un peu con. C'est le but de la du truc de l'aventure, c'est pas de le buter le dragon. C'est de le sauver. C'est de le sauver. Ouais, mais moi je veux le tuer. Ouais, s'en fout. C'est un Pokémon, non? Ouais, c'est un peu ça, c'est un gros Pokémon. Putain de sacré Pokémon. C'est Lugia, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, c'est un légendaire. S'il te plaît, c'est ulti, je veux le même. Ouais, c'est un Pokémon légendaire en fait, il n'y a plus qu'à le capturer maintenant, je l'ai blessé. Pokémon, go. Merde, elle est où, la pile? Ok, j'ai Kuka disparu. Ouais, je comprends pas trop là. Ah ok, là-bas. Cool dispersion. Boum. C'est vraiment casse-couille. Ah, je suis obligé de viser en plus. Attends, parce que sinon ça fait 0 d'erreur. Ah d'accord. Ah non, merde, si. Non, non, c'est quoi? Merci. Ah, merci. Je peux prendre un de mes persos à moi. Tiens, petit. Ah, je peux. Go, go, go. Oh, j'avais pas vu ça comme ça! Je peux genre. Ouais, m'a écrasé, wesh! Genre, l'ult continue, et genre, moi je peux continuer à faire mes trucs derrière. Oh, hein? J'avais pas vu ça comme ça! Attends, y'a un problème, je peux pas le taper. Ah! Pas trop la solution. C'est trop bien! Ah non, mais va te faire foutre avec mon perso. Je pouvais pas le frapper, c'est bizarre. De quoi? Bah le dragon il était sur moi tu vois, et je pouvais pas le frapper. C'est peut-être pas encore assez près, tu dois pas reprendre une boule devant. Non, il était vraiment allongé dessus sur moi, c'est bizarre. Ah oui non, pendant la phase combat-combat. Ouais, la phase combat-combat. Ah mais c'est vrai que tu fais en fait cette phase combat, bah c'est ça que tu dois avoir dans le donjon en fait, je suis con. J'ai un teubé. Comment on esquive cette merde là, ça me fait des dégâts. Y'a des trucs élémentaires devant sur le côté, gauche et droite. Ok, putain, ouais, ils étaient. Jusqu'à temps que ça disparaisse. Et voilà, j'ai plus aucune résine, je suis mort. Ouais, ça le faut. Hey, dégage, ça le faut. Je déconne. Ah, ouais, il m'a viré carrément. Ah, ouais. Va, Pouka. Ouais, mais ça fait quand même des dégâts, wesh. J'ai beau être dans les airs, ça fait quand même des dégâts. Ok, là en gros je dois taper, ouais, je dois taper ce truc en fait. Ah mais je peux y monter dessus. Ah mais fallait le dire plus tôt, je pouvais y monter dessus. Non, toi je sais ce que tu vas faire. Ce qui est bien c'est que j'ai pas fait l'antre de Stormon encore, donc j'attends d'être à R30. Ouais, au moins t'as la meilleure. Voilà, après là ça va la reset et je pourrais la refaire et en même temps. Ouais, ouais, c'est la reset à 4h du mat. Cookie! Oh, bon, c'est... Quoi, c'est déjà fini? Pardon! Attends, j'ai juste. J'ai à ce moment de comprendre qu'il fallait lui monter dessus pour taper le cristaux sur sa tête. J'ai mis 3 coups, il est mort! Bon bah, le cuit il est pas là, hein. Ah, oh, c'est abusé. Kunai. Je me suis fait virer comme une grosse merde. C'est... Ah, du coup, on est sur le dos du dragon. Trop bien. Voilà, on l'a sauvé. Waouh. Tu l'as sauvé. Ouais. Wow. Ouais, enfin. Un Pokémon légendaire, youhou. Tu peux
peux être fier de toi. Dans ma Pokéball. Ouais, bah je suis quand même déçu en fait. Le jeu il est beau, mais sans plus quoi. C'est terrible maintenant que je sais que je peux sortir de mon nul. Ouais! Allez, dans 3 heures. Ah, dans 3 heures, petit jeu. C'est. Il est quelle heure? Ouais, à 19h. À 19h, du coup, tu reviens? Ouais, sur Genji, ouais. Ok. Bah, moi je termine ça, et puis bah. Dans 3 heures, on fera des invocations alors, du coup. moi je vais faire cacher les invoques. 19h, invoque. Ouais, bah envoie-moi un petit mess, comme ça je fais avec toi. Non, 19h, t'es là ou t'es pas là. Bon, y a pas de... C'est à la sortie des invoques, 19h. Eh bah, tu m'envoies un message. Oh. Et bah, y'a une heure, 19h. T'as un téléphone, t'as une montre, et 19h. Non, j'ai pas tout ça, moi ça existe pas chez moi. Ah, bah tant pis pour toi alors. Rentre ce que c'est, achète-toi un téléphone. Ah, c'est bon, je vais encore un PC, mais bon. Des géants, je rigole, frère. Je les pète en 2 secondes, frère. Voilà, succès obtenu. Youpi. Sorti dans 90 secondes. Un jour plus tard. De coco. I'm in love and then so so. Nanani, nanana. Y'a pas un autre truc un peu plus. Ça va, le un jour plus tard dure pas trop longtemps. Que du. Ok. Ouais, la petite cinématique du coup. Je vais aller un peu sur le Overwatch là. Y'a un petit skin à faire. Ça dure encore combien de temps d'ailleurs ce truc? Tu fais la mise à jour. Il reste 2 jours pour avoir le skin de son bras. Et le reste, ça dure encore 2 semaines. Oh, ça va, ça va. Tranquille. Mais les skins sont beaux. Hein. Bon, là, son bras, il y a déjà un skin. Il y a le Genji. Ouais, bon, Genji. On va passer les dialogues. C'est devenu Genji Pigeon. C'est le jeu. Ah ouais, mec, Genji Pigeon. Genji Pigeon, ouais. Voilà. Tu vois le, l'esprit démoniaque, là, chez les Japonais, là, je sais plus comment ils s'appellent. Ils ont plusieurs démons japonais. Ouais. Il y a le démon japonais avec les sabres là, celui qu'on connaît tous, le rouge qui est bien violent. Ça c'est Hanzo. Mm-hmm. Ah oui, ouais. Et par contre Genji, je sais pas lequel c'est. Karasu, Klingu. J'ai hâte d'avoir un arc violet. Il est bien ou pas? Magnifique. Bah écoute, c'est violet, c'est bien. Ok. Et t'as Winston loup-garou. Ah stylé. Ah ouais, il est stylé. Et t'as la démarche de zombie sur Reinhardt qui est énorme. Hmm, t'avances au ralenti. Ah, ils m'ont offert un skin sur Genji Contender. Oh. Ah, tu peux me dire, je dois parler à tout le monde maintenant juste parce qu'ils vont me dire merci. Trou du cul. Ah, mais c'est pratiquement ça en fait. Oh, yeah. Du coup, on passe les dialogues, ça sert à rien. Heureux tout le monde, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le boss donjon, bon j'étais un petit peu trop long, il y a trop de blabla en fait dans l'aventure. Mais présent pour le jeu, pour le boss dragon, parce qu'en fait c'était vraiment très rapide et vraiment très con. En fait, au niveau du combat, c'était vraiment un truc tout con et un petit peu déçu du coup. Mais le jeu reste beau, le jeu reste bon, même si bah, le combat du dragon ne s'est pas passé vraiment comme je l'espérais. C'était vraiment un petit peu trop rapide. Donc voilà. C'était un bon plus à faire. C'était l'un des boss du jeu. Donc à voir dans l'histoire ce qu'il y aura d'autre, parce qu'il y a pas mal de petites choses encore à faire. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Genshin Impact. Prochaine vidéo sur Call of Duty Cold War, la bêta. Donc j'ai pris pas mal de petites vidéos sur le jeu pour que vous voyez un petit peu
mon pressenti sur le Cold War aussi quand même, parce que voilà, il sort dans entre 2 voire 3 semaines, et pour ce qu'on a eu de la bêta, moi je le trouve pas ouf, donc vous verrez ça dans les vidéos prochaines. Donc allez, je vous dis merci d'avoir regardé encore une fois, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Allez, bye tout le monde.